ce conseil municipal. Donc, comme il se doit, je vais demander à la secrétaire de séance, Elisabeth, de faire l'appel. Merci, Elisabeth. Bonsoir tout le monde. Alors, Philippe Guiguen. Présent. Catherine 1. Présente. Bertrand Coquard. Présent. Françoise Beaulieu. Présent. Bilal Psikri. Présent. Christiane Bontemps. Présente. Jean-Jacques Lecoq. Présent. Martine Plassard. Présente. Philippe Huré. Présent. Geneviève Boussinet. Présent. Martine Amiot. Présent. César Silou. Présent. Elisabeth Dominguez, présente. Jean-Christophe Tual. Présent. Fabienne Bouchèze. Fabienne Vogarny. Benoît Lefort. Présent. Carlos Pereira. Présent. Sophie Stucchi. Présent. Tanguy Farugia. Cyril Lamiot. A donné pouvoir à Philippe Guiguen. Youssef Koutari. Yasmine Jelalia. Benoît Monteau. Présent. Gérard Lévy. Présent. Dominique Dupuy-Goyer. Mareille David. Marcille, pardon. Nicolas Hu. Monsieur Seval. Dalila Drif. Absente pour l'instant. Catherine Géronimi, absente. Anne-Claire Frémont, absente. Et Marc Lerouge, absent également. Merci, merci, merci Elisabeth. Donc, je propose de passer à présent au point numéro 2, qui est l'approbation des procès-verbaux des trois derniers conseils municipaux, c'est-à-dire le 24 novembre et le 13 décembre 2022, ainsi que le 11 janvier 2023. Y a-t-il des corrections ou des questions à propos de ces conseils, de ces comptes rendus? Oui, bonjour, Dominique Dupuy. Oui. C'était parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'endroits. Ah, j'en fous. Il y avait beaucoup d'endroits où c'était inaudible. Oui, bah oui. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Ben voilà, là, par exemple, je pense que le début de votre conversation, là, c'était inaudible. Malheureusement. Donc il faut qu'on s'astreigne à une certaine discipline pour être très proche du micro. Voilà. Si vous avez vu à certains endroits que c'était l'un des conseillers de votre équipe qui a parlé, vous nous signalez et on le remettra. Mais sinon, en rythme régulier, je pense qu'il faut être très proche du micro. Y a-t-il d'autres remarques? Donc, sachant si vous pensez qu'à certains endroits, c'était quelqu'un de chez vous, vous nous le faites signe et on le reprécisera. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci. Point numéro 3, les délégations de compétences. Je vous propose donc, comme pour chaque conseil, de noter les questions que vous avez, pour lesquelles vous n'auriez pas eu de réponse éventuellement en commission, et on essayera de les apporter en fin de conseil ou alors par écrit par la suite. Oui, Madame Dupuis. Oui, donc Madame Dupuis. La délibération 22-320 sur... j'ai pas vraiment compris de quoi il s'agit, quoi. On parle de mission d'audit et de conseil en aménagement du territoire
Et c'est surtout le coût où la rémunération est au taux de 35% de l'ensemble des recettes supplémentaires dont l'assiette. D'accord. Bon, je sais ce qu'on va vous répondre, mais on va prendre toutes les questions et on répondra à la fin. D'accord. Alors, il y avait la 22-323, c'est pour la déneigeuse. Donc, oui. Juste, en fait, je voulais savoir... c'est une location, c'est ça? Donc, c'est pour l'hiver, c'est pour... Bon, on répondra à la fin, mais c'est effectivement pour l'hiver. D'accord. Et sur la 22-327, avec l'augmentation de 4% pour les prestataires du marché, enfin, des gens qui... En fait, c'est vrai qu'il y a marqué que c'était à cause de l'augmentation, en fait, de l'inflation. Est-ce que, en fait, le fait d'augmenter de 4%, ça ne peut pas quand même nuire On vous fera une réponse en finale, mais je crois que l'augmentation qui va être faite est une augmentation qui est faite en plusieurs temps, qui était prévue dans le cadre de leur occupation de place et qui ne doit pas forcément être au niveau de l'augmentation qu'on aurait pu appliquer. Alors, je pense que c'est tout. Ah oui, la 23-014 pour les nettoiements urbains du 1er au 28 avril 2023, à 27 000 euros. La 23-014, 12, 13, marché de nettoiement urbain, c'est turquoise. Oui, vous avez un mois de prestation, et quelle est la question? Oui, donc un mois de prestation de nettoyage de la ville, c'est 30 000 euros. Oui, c'est ça. Oui. Donc tous les mois, Ben oui, si vous regardez dans le budget, c'est le montant total, si multiplié par 12, que vous devez avoir pour le budget annuel de nettoyement urbain. Ouais. Bon, et puisque vous aviez une question au préalable sur le marché, on peut dire que le coût du nettoyement du marché est un poste très important du nettoyement urbain. D'accord, ok. C'est un complément. Voilà, c'est tout. Merci. Donc, comme l'autre groupe n'est pas là, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Vous aviez l'ensemble de vos questions. Donc, on répondra en finale. Merci. Donc, je propose à présent de passer au premier point à l'ordre du jour, qui est le débat sur le rapport d'orientation budgétaire. Nous procéderons avec Catherine, donc, qui est adjointe aux finances, en deux étapes. Je vous propose, moi, de balayer rapidement ce rapport qui vous a été distribué dans le cadre de ce conseil municipal. Et Catherine complétera également avec une seconde présentation. Donc, en introduction, et comme vous le savez, ce rapport d'orientation budgétaire est la première étape du cycle budgétaire. Pour ce qui est du contexte général, nous savons tous que nous sommes, le contexte donc, est marqué par une inflation galopante, ce qui est très différent de ce que nous avons vécu pendant près de trois décennies. Même si la France reste en dessous d'une inflation plus importante au niveau de la zone euro, cette inflation reste au niveau des collectivités très importante et se traduit notamment par des impacts plus que significatifs sur tout ce qui concerne l'énergie. On y reviendra un petit peu plus tard. Pour ce qui concerne des orientations proprement dit, on va commencer par les recettes. Comme il vous l'a précisé, les recettes fiscales de la commune sont le poids le plus important pour l'ensemble des recettes, puisque malheureusement, comme vous le savez, nous ne bénéficions quasiment plus de dotation globale de fonctionnement.
Donc pour 2023, ces recettes fiscales seront estimées aux alentours de entre 83 et 85%, c'est-à-dire près de 24 pour un budget total, 85% d'un budget de recettes de près de 25 millions d'euros. La fiscalité proprement dit. La fiscalité, donc, elle est en lien avec les choix politiques que nous assumons, mais elle sera contrainte, bien entendu, par un certain nombre de situations que nous devons subir au niveau de notre budget, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Ce que l'on peut dire déjà, c'est que nous n'avions jamais augmenté les impôts depuis 2010. C'est-à-dire 12 années, qu'à ce jour, nous savons très bien qu'il y aura 7% de réévaluation des bases, 7% qui ont été décidées dans le cadre de la loi de finances par l'État. Autre recette, ce que nous avons, et qui est, elle, significative également, qui est l'attribution de compensation de Saint-Quentin-en-Yvelines suite au transfert notamment de l'activité économique qui avait été faite en 2016 lorsque nous sommes rentrés dans l'agglomération. Cette attribution de compensation, dite AC, est équivalente à celle de l'an dernier, c'est-à-dire 6 millions d'euros. Autre point significatif dans nos recettes de fonctionnement, cela concerne ce qu'on appelle la taxe additionnelle des droits de mutation. Et jusqu'à présent, nous avions sur les exercices précédents, hormis une année où il y a eu une opération exceptionnelle, nous étions entre 800 et 900 000 euros de recettes. Ce que nous envisageons cette année, c'est compte tenu du fait que le marché immobilier et les transactions aujourd'hui sont très à l'arrêt, de prendre une position beaucoup plus prudente sur le budget, c'est-à-dire de rester entre 600 et 650 000 euros. La dotation globale de fonctionnement, l'État s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas d'écrêtement cette année, donc nous espérons, et je pense que sauf si nous avons des nouvelles différentes d'ici au budget, que nous prendrons une position équivalente au niveau de DGF que nous avions eu l'an dernier, en 2022. Pour ce qui est de la DSU, nous savons très bien que nous n'avons plus de DSU. Et si vous vous reportez à la page 5 du document qui vous a été transmis, vous voyez donc la très très forte décroissance de la DGF sur ces dernières années. Et puisque sur la période 2010-2022, nous avons perdu en impact pour l'année 2023 l'équivalent de plus de 3 millions d'euros, c'est-à-dire près de 30% de points de fiscalité. Sur la page suivante, vous pouvez constater que nous avons pris comme hypothèse que les produits des services seront alignés sur, grosso modo, le réalisé de l'année 2022. Les recettes ayant été rapidement balayées, et Catherine y reviendra peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, nous passons maintenant sur les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement, le poste le plus important concerne bien entendu les dépenses de frais de personnel, et avec une hypothèse de près de 58% des dépenses de fonctionnement pour la collectivité en 2023. Poids en pourcentage qui baissera, mais qui baissera malheureusement suite aux conséquences de la très forte inflation de tout ce qui concerne l'énergie. Ces frais de personnel sont en augmentation de 5,2% par rapport au budget de l'an dernier et tiennent bien entendu compte de la réévaluation qui avait été décidée par l'État en 2022. Pour ce qui concerne les effectifs, donc vous avez les graphes d'évolution des effectifs sur les quatre dernières années. Ce qu'il convient d'en retenir, c'est que nous avions en 2022 361 postes ouverts pour 366 postes qui étaient ouverts en 2021 et 346 qui étaient pourvus.
Je rappelle que nous raisonnons là uniquement sur les postes qui étaient ouverts. Pour ce qui est de l'exercice 2023, il n'est pas prévu de création nette de postes, comme sur les différents exercices précédents. Les prélèvements de fiscalité, pénalités, SRU, bien que nous soyons en ligne avec nos objectifs triennaux et que nous soyons très très proches de l'objectif de 25% avec 24,2%, nous avons malgré tout budgété une pénalité de 37 000 euros. Pour ce qui concerne les subventions versées aux associations, nous envisageons pour le budget de prendre une hypothèse proche des subventions qui auront été versées sur l'année 2022. Même hypothèse pour le CCAS, c'est-à-dire une subvention identique à celle de 2022. Les autres dépenses de fonctionnement font bien entendu l'objet, et ont fait l'objet déjà sur la première partie du budget, d'une attention particulière pour essayer de compenser autant que faire se peut la très forte évolution des coûts d'énergie. Mais quand on voit l'évolution des coûts d'énergie, on comprend tout à fait qu'il est impossible de compenser cela. Pour ce qui est de la dette, vous pouvez voir que la dette est composée à plus de 95% de taux fixes et d'emprunts dits en catégorie A1 dans la charte Gisler, c'est-à-dire une dette totalement sécurisée. Et si nous aurons dans le cadre du budget 2023 une légère augmentation des frais financiers, dans la mesure où nous avons ce niveau de taux fixe, l'augmentation sera fortement très faible. Les recettes d'investissement seront constituées, comme il vous l'a précisé, par l'autofinancement, plus une fonds de compensation de TVA, et compte tenu de l'avancement de nos projets, ces fonds de compensation dits FCTVA ne seront pas d'un niveau très élevé, c'est-à-dire nous envisageons 0,4 millions d'euros. Par contre, nous envisageons un certain nombre de subventions significatives avec les partenaires qui ont pour habitude d'aider notre collectivité. Je veux citer le département, puisque nous sommes en finalisation de la signature du contrat Yvelines Territoires. Nous allons relancer un contrat d'aménagement régional et nous avons bien entendu également le fonds de concours annuel de l'agglomération. Le besoin de financement fera que les recettes d'emprunt et les remboursements d'emprunt seront équivalents, si fait que cette année encore, nous n'augmenterons pas notre niveau d'endettement. Les dépenses d'investissement, comme il voulait préciser, un chiffre, 8 millions d'euros, mais duquel il faut retirer de par la construction budgétaire les remboursements d'emprunt, c'est-à-dire 2,1 millions d'euros, ce qui veut dire que nous aurons soit une hypothèse à 5,9 millions d'euros si le contrat Yvelines Territoires est notifié d'ici l'élaboration et la proposition de budget, soit 3,9 millions d'euros si ce n'est pas le cas. Enfin, vous avez sur la dernière page un dispatch des différents investissements qui sont proposés sur, d'une part, la période qui a été passée depuis 2021 sur ce que nous avons provisionné à la fin de la clôture 2022 et qui vous seront présentés dans le cadre du compte administratif, et nos projections à fin d'année 2023, 2024, 2025 et 2026, ce qui fait pour l'ensemble une enveloppe d'investissement de près de 30 millions. J'en profite de cette présentation très rapide sur les investissements pour dire que si nous allons pouvoir, malgré les très grosses difficultés de fonctionnement que connaissent l'ensemble des maires, si nous allons pouvoir continuer à investir, c'est parce que nous avions provisionné au titre de différents programmes importants ces sommes sur les exercices précédents. Voilà pour ce qui est de cette première partie de présentation très rapide. Je vais laisser la parole
à Catherine pour une présentation PowerPoint. Et puis après, je vous propose d'en débattre entre nous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais resynthétiser les éléments qui ont été présentés et vous donner quelques éléments complémentaires. Donc, de façon synthétique, sur la section de fonctionnement, une prévision donc, de 25 millions d'euros en dépenses et en recettes contre 24 millions d'euros sur le budget primitif de 2022, avec sur la partie des recettes de fonctionnement. Donc, comme ça l'a été précisé, des impôts et taxes qui représentent environ 84% de la totalité des recettes de fonctionnement. Sur la partie impôts et taxes, donc pour mémoire, il y avait eu une revalorisation des bases en 2022 de 3,4%. Il y aura une revalorisation de 7% en 2023. Ce qui fait que l'évolution des taxes foncières que vous voyez sur ce diaporama sont uniquement dues aux évolutions des bases et l'évolution des logements, et non pas l'évolution du taux de la commune. Sur la dotation globale de fonctionnement, donc un montant de 5,9 millions en 2010, qui en 2016, à l'intégration dans Sky, a été dispatché en deux parties. Une partie de 2,4 millions transférée à Sky et une partie d'1,65 million qui est restée attribuée à la ville. On voit bien l'évolution extrêmement dégradée sur les 12 années. Si on s'attache plus particulièrement à la partie qui a été transférée, qui est restée sur la commune, on a une perte sur l'exercice 2022, si on compare avec l'exercice 2010, de 3,15 millions d'euros de dotation globale de fonctionnement qui ne nous arrive plus. Et si on regarde le cumul sur toute la période de 2011 à 2022, ça représente 21 millions d'euros, ce qui fait une moyenne annuelle de 1,7 million d'euros. Nous avions prévu en hypothèse 2022 une baisse de 10%. Nous avons eu au final une baisse de 41,3%, donc 240 000 euros de moins que l'année précédente. Compte tenu de l'engagement de l'État, nous partons sur une hypothèse de maintien de la dotation 2022 en 2023, en espérant que ça se réalisera comme ça. Sur les produits des services, comme ça a été précisé, donc une augmentation prévisionnelle de 4% par rapport au budget primitif 2022 et les estimations finales 2023 seront bien évidemment basées sur les recettes constatées sur la période 2019 à 2022 puisqu'on a eu des années atypiques, donc on regarde toujours sur une période un peu plus large. De façon globale, donc si on regarde les perspectives 2023, des augmentations sur la partie produits fiscaux et produits des services, une petite diminution sur les droits de mutation, ça a été précisé tout à l'heure, puisque par prudence, on va prévoir un petit peu moins que ce qu'on avait prévu l'an dernier, et la perte de la dotation de solidarité urbaine qui ne nous est plus versée depuis 2022. Sur les dépenses de fonctionnement, donc déjà beaucoup d'informations qui vous ont été données. De façon globale, donc une augmentation des dépenses de personnel, liée bien évidemment en partie à la revalorisation du point d'indice, l'augmentation du SMIC, l'impact du GVT. L'augmentation des fournitures et services avec une augmentation en moyenne de 12% sur les produits alimentaires, 16% sur tout ce qui est contrat d'entretien et de maintenance. Une très forte augmentation des fluides, une estimation sur l'électricité à plus de 70% et une estimation sur le gaz à plus de 240%. Une augmentation des amortissements là, qui est due à juste un effet technique puisque nous mettons en place la M57 et nous allons commencer à amortir les biens dès leur mise en service et non pas l'année qui suit la mise en service. Et côté diminution des dépenses, il n'y a pas d'opération les clés Cybel en 2023 et compte tenu de la situation, probablement une diminution du virement à la section d'investissement. La situation des effectifs, je ne reviens pas dessus, donc vous avez eu les informations, 361 postes contre 366 en 2021 et pas de création prévue sur l'exercice 2023. Sur la partie endettement, la répartition de la dette, donc à 95,5% en endettement totalement sécurisé,
avec au niveau de l'évolution une disparition complète en 2024. Alors il reste un tout petit bout qu'on ne voit pas sur le graphe de 500 euros en 2024 sur un emprunt à taux variable. On va considérer que fin 2023, il n'y en aura plus. On sera 100% sur des emprunts avec des taux fixes. Sur l'évolution de la charge de la dette, on voit une nette diminution à partir de 2024 puisque les emprunts à taux variable sont des emprunts avec des montants de remboursement relativement conséquents. Et comme ils s'arrêtent, ce qui reste en 2023, on a une forte diminution à partir de 2024 du montant de la charge annuelle de la dette. Sur la section d'investissement au niveau du financement, donc un petit camembert pour faire la synthèse des sources de financement possibles. Donc l'autofinancement aux environs de 2 millions d'euros, l'emprunt également 2 millions d'euros, des subventions comme ça a été précisé avec des projets de demande de subvention qui pourraient atteindre 2 millions d'euros, un projet de cession à hauteur de 1 million d'euros et d'autres ressources, notamment le FCTVA, la taxe d'aménagement, pour environ 1 million d'euros. Sur la partie dépenses d'investissement, un peu moins de 6 millions d'euros avec une répartition plus de 50% sur les grands projets et environ 23% sur l'investissement des services et les différents PPI. Ce qui nous amène au plan pluriannuel d'investissement sur la période 2023-2026 d'un peu plus de 19 millions d'euros. Avec un peu plus d'un quart sur l'investissement des services sur la période, également un peu plus d'un quart sur les différents PPI, et ensuite au niveau des grands projets, 13,6% sur la partie éducation, une part importante sur le sport à hauteur de 12,3%, 11,7% sur le patrimoine, 0,5% sur l'aménagement urbain, un complément sur la santé qui représente 5,2%. Et 4,2% pardon, sur le patrimoine historique. Patrimoine historique étant la réfection des tours de Diane. Donc si on regarde un petit peu ce plan pluriannuel d'investissement sur la période 23-26 par année, ça représente en 2023 5,5 millions d'euros, 5,9 millions d'euros en 2024, 4,7 en 2025 et 3 millions en 2026. Plus précisément sur le PPI grand projet, pour avoir une vue globale de tous les grands projets, donc sur la prévision 2023-2026, on a une prévision de 9 100 000, mais on avait déjà provisionné et en partie réalisé certains projets. Les enveloppes représentent 12,8 millions d'euros, ce qui fait que le PPI sur les grands projets représente à fin 2026 21,9 millions d'euros. Ça ne tient compte évidemment que des projets qui sont en cours. Les projets qui avaient été initiés, qui sont terminés, ne sont pas pris en compte dans cette présentation. Ce qui fait un global sur la partie éducation de 8 millions d'euros, sur la partie santé de 5,3 millions d'euros, 2,3 millions d'euros sur le sport, 2,8 sur le patrimoine, 2,6 sur l'aménagement urbain et 1 million sur le patrimoine historique. Et j'en ai terminé, si vous avez des questions. Merci Catherine. Donc, nous pouvons, au vu de ces première présentation rapide que j'ai faite et de cette présentation complémentaire, débattre et répondre à vos questions pour peu que nous ayons les réponses à ce stade, sachant que nous en sommes à l'heure actuelle qu'au stade du ROB et non pas du budget. Oui, monsieur Lévy. Ça marche, je vois, on voit le rouge allumé. Ayant participé à la commission finances tout récemment, c'était jeudi dernier, donc les documents que vous avez présentés, monsieur le maire, le rapport d'orientation budgétaire, je vous avais fait un signe, en fait, il n'était pas apparent sur l'écran. Ça aurait pu être un plus. Simplement, au cours de cette commission, la question qui avait été posée concernant une cession, hein,
puisque les produits de cession pourraient contribuer à hauteur de 1 million. Il semblerait que ce serait Debussy PMI. Est-ce que vous avez donc des informations? C'est pas que Debussy PMI, c'est tout ce qui concerne ce bâtiment de Debussy. Et nous souhaitons effectivement, compte tenu du contexte énergétique, nous souhaitons aller si possible plus vite sur la réhabilitation d'une autre école qui était, nous avons Jean Jaurès qui est largement entamé, qui rentre dans sa deuxième année, et nous étalons les travaux sur Jaurès sur 3 ans de manière à essayer de perturber le moins possible tout le fonctionnement de cette école. Donc nous avions envisagé également en fin de mandat de commencer à réhabiliter l'école Henri Proulx, et compte tenu du contexte aujourd'hui et compte tenu aussi des informations que nous avons eues sur cette école qui, au point de vue énergétique, est vraiment dans une situation très très dégradée, ce dont on se doutait, mais l'impact des coûts des fluides n'était pas au niveau de ce que l'on doit supporter aujourd'hui. Je souhaite accélérer et donc je souhaite flécher la vente de ce bâtiment qui n'a aujourd'hui pas d'occupation particulière pour la commune et la flécher sur une réhabilitation plus rapide d'une école, ce qui pour moi est beaucoup plus important et pour toute notre équipe est beaucoup plus important à ce jour. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Mais bon, j'espère que le prochain conseil aura plus d'éléments plus complets sur cette enveloppe, hein, puisqu'elle est calibrée à 1 million d'euros. Oui, parce que c'est une estimation qu'on a faite aujourd'hui. Nous en sommes aujourd'hui au stade du Rob. Après, dans le cadre du budget, nous aurons peut-être quelques pistes, mais c'est ce même montant que nous conserverons. D'accord. Alors, un deuxième point, c'est la présentation qui a été faite par Madame Hain. Donc, ça a été fait en commission, mais à partir d'un tableau simple Excel. Oui. Et là, nous avons un tableau avec des graphes. Est-ce qu'il est possible donc d'avoir ces derniers éléments complets en plus du compte-rendu? Oui, oui, bien sûr. Permettant. On vous le donnera. Sinon, nous avons analysé en groupe. Et je vais vous donner lecture donc de notre intervention en tant que groupe. Alors, comme à chaque période de l'année, nous avons à débattre de l'orientation budgétaire de la commune, nous sommes cette année dans la continuité de la précédente, dans un contexte plus que particulier qui demande à ce que la collectivité soit en effet plus qu'à l'écoute des Clésiens. Cependant, il est évident que les charges de structure seront un frein dans la capacité des collectivités à pouvoir répondre aux besoins de fonctionnement, dont les impacts liés à la hausse des fluides joueront un rôle important dans la dégradation des résultats. Aussi, des choix seront à opérer entre la qualité de fonctionnement des services, l'investissement dans nos infrastructures et projets le recours à la fiscalité. Malheureusement, nous ne pouvons que constater que ce recours à la fiscalité, s'il doit être opéré, et certainement l'option que vous allez retenir, sera portée par une seule frange de la population depuis que la taxe d'habitation a disparu des ressources communales. Nous pourrions donc considérer que cela est une mesure injuste, l'État ne mettant pas les moyens nécessaires pour intervenir dans ce qui aujourd'hui semble une nécessité pour l'ensemble des collectivités. Nous n'allons pas, comme chaque année depuis 12 ans, regretter la baisse à nouveau de la DGF, car celle-ci est désormais infime dans le budget de la commune et empêche de nouveau toute réflexion posée sur l'autonomie réelle des collectivités locales. Concernant notre commune, il nous paraît souhaitable aujourd'hui de pouvoir organiser une véritable consultation sur les services qu'il semblerait évident à la population d'amplifier, tout comme d'avoir un véritable débat et choix sur les opportunités de projets annoncés. En effet, à ce jour, nous sommes toujours dans l'expectative concernant la maison de santé. Et nous constatons dans le PPI que vous nous présentez, que vous abondez de nouveau dans ce projet pour plus de 1 million d'euros. Il serait vraiment temps de faire un point sur son avancée réelle, tout comme des possibles services de santé qui y seront dispensés. Dans le même temps,
Nous constatons et vous annoncez que le budget de fonctionnement augmentera, lui, de 1 million d'euros mécaniquement. Il y a donc ici des choix opérés et le recours à l'impôt ne peut être la seule variable d'ajustement, sans que l'Ecclésien soit totalement consulté sur les choix à opérer. La période que nous vivons appelle une véritable remise en question à tous les niveaux de nos fonctionnements dits démocratiques. À l'heure où l'Assemblée nationale se joue aussi, où à l'Assemblée nationale se joue aussi l'avenir des Français sans qu'aucun véritable débat ni prise en compte des aspirations de nos concitoyens, il serait bon que l'échelon de proximité que nous représentons puisse montrer un autre visage, proposer un véritable débat éclairé et rendant acteurs les Ecclésiens des choix pour les deux années à venir serait un véritable signal envoyé pour compréhension des enjeux actuels et une acceptation collective des choix décidés collectivement. Merci. Merci, Monsieur Lévy, pour cette déclaration. Je vous rassure, les débats ici vont être beaucoup plus apaisés que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et je pense que nous donnons une autre image que donnent certains groupes à l'Assemblée nationale. Pour revenir à ce qui concerne la situation des clés sous bois, bien entendu, je ne peux être comme vous que totalement en désapprobation avec le fait que le poids d'une éventuelle fiscalité supplémentaire serait pesé par uniquement une seule partie de la population, mais c'est un choix qui a été fait antérieurement et sur lequel nous ne pouvons plus rien aujourd'hui, parce que le service, il doit être rendu et il est rendu pour l'ensemble des Ecclésiens. La situation, donc, telle qu'on l'a précisé dans l'Europe, effectivement, comme vous l'avez noté, intègre le coût très très important, l'explosion des coûts de l'énergie, une très forte inflation généralisée dans tous les domaines. On n'a pas parlé de l'alimentaire, mais nous devons le supporter. Nous devons supporter aussi les évolutions des frais de personnel qui ne sont pas compensés au niveau de la commune, alors que dans d'autres organismes étatiques, Catherine, de par ses fonctions, pourrait le dire, il y a une compensation. Nous, les collectivités, c'est débrouillez-vous. Donc, il est évident que toute cette situation peut nous amener à penser que nous ne devrions pas pouvoir, malheureusement, pour la 13e année consécutive, maintenir nos taux communaux au niveau où ils sont à l'heure actuelle. Sachant qu'il y a d'une part une réévaluation des bases qui a été décidée par l'État de 7% et que cette réévaluation pèsera sur les Ecclésiens, tout notre travail, le travail de notre équipe, de mon travail, de Catherine adjointe aux finances, sera de réduire au maximum cette augmentation. Cette situation que nous vivons, c'est une situation que vit la quasi-totalité de mes collègues maires, enfin, sauf les bienheureux qui bénéficient des généreuses dotations de l'État. Malheureusement, ce n'est pas notre cas dans notre commune. Ou alors les communes qui ont une très très forte augmentation de leur population, donc avec une augmentation de la base foncière. C'est malheureusement pas aussi notre cas. Donc là, je partage avec vous votre analyse. Pour ce qui est de la réduction des dépenses et des choix opérés, le choix que nous ferons, que nous vous présenterons au budget, ça a été effectivement, comme à chaque budget, de peigner l'ensemble des dépenses pour les limiter. Et c'est comme ça que depuis 12 ans, malgré toutes les baisses de dotation, nous avions pu maintenir nos taux de fiscalité et que nous aurions pu maintenir s'il n'y avait pas eu cette inflation galopante. Nous avons décidé de maintenir l'ensemble des services et d'essayer de maintenir ces services à leur niveau de qualité tel qu'ils sont aujourd'hui, même s'il y aura effectivement un certain nombre d'adaptations.
Pour ce qui est de la, vous avez parlé de la maison de santé. La maison de santé, effectivement, elle est provisionnée et elle fait partie des projets importants qui sont provisionnés et qui font que, malgré les difficultés sur les budgets de fonctionnement que je viens d'exposer, nous allons pouvoir continuer à investir pour l'ensemble de la population. Effectivement, nous avons, je crois, doté aujourd'hui un budget on en est à 5,8 millions d'euros pour la maison de santé. 5,3. Il se peut qu'en finale, nous sommes en TTC là, il se peut qu'en finale, le budget total de l'opération soit inférieur à ça, et je le souhaite, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, nous pourrons réfléchir des investissements sur d'autres projets. Où en est la maison de santé aujourd'hui? Eh ben, nous allons choisir dans les 2 mois, ou au maximum 3 mois qui arrivent, le projet de réhabilitation. Ce que vous pouvez, et vous devez savoir également, parce qu'il me semble que je l'ai dit à notre cérémonie des vœux, c'est que le projet de santé validé par des personnels, l'association de médecins, a été transmis à l'ARS. Et donc, nous avançons avec un objectif, c'est que cette maison et ce projet puissent être opérationnels à la fin de l'année prochaine. Mais on ne mène pas un projet aussi important que ça en un an, voire même en 2 ans. Je rappelle que nous avons commencé à travailler avec les premiers médecins et paramédicaux en octobre 2020. Voilà ce que je peux dire sur vos remarques et remarques qui, je vous remercie, ont été faites dans un état, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, d'apaisement, ce qui n'est malheureusement pas le cas partout. Nous devons tous aujourd'hui d'essayer, compte tenu des circonstances, d'apporter la meilleure qualité de service et de maintenir au maximum ces services à la population. Voilà, est-ce que j'ai répondu à vos interrogations, sachant que c'est un débat. Vous savez qu'à la fin, on devra prendre acte que nous avons débattu. Voilà. C'est juste une requête qui est la même depuis plusieurs. Donc le projet de maison de santé, vous nous aviez dit que dès qu'il y aura le cahier des charges ou le projet ficelé, il sera communiqué aux associations concernées. Donc, est-ce que ce projet est bientôt ficelé? Alors, non, il n'est pas ficelé. Il y a un appel d'offres qui a été porté aujourd'hui. Il y a les équipes médicales qui accompagnent Françoise Beaulieu, qui est adjointe à la santé et qui mène ce projet, qui sont impliquées sur qu'est-ce qui va être demandé, qu'est-ce qui va être réalisé. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui dans la phase où nous pouvons communiquer, entre guillemets, un produit fini, sachant que le produit fini, il va y avoir d'une part le bâtiment qui sera aménagé et il va y avoir en parallèle tout l'aspect médical et paramédical qui va accompagner ce projet, sachant qu'on est, on est tout à fait conscient que dans la mesure où ça va être un espace qui sera important, la totalité de cet espace ne sera pas forcément occupée au démarrage de cette maison de santé. Mais ce qui importe, c'est d'avoir un outil qui soit attirant pour les médecins et les paramédicaux. Voilà. Si tu veux ajouter quelque chose, Françoise, non? Ou est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur Lévy? Je pourrais juste rajouter, ce qui le rend complexe, ce projet, ce n'est pas un simple centre médical. Il n'y aura pas uniquement, comme on peut voir dans d'autres endroits, des médecins généralistes. On fait un projet de santé publique, c'est-à-dire que, bien sûr, la motivation première, c'est les médecins généralistes, puisqu'il y a un désert. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait, ça on en a déjà parlé ensemble, il y avait aussi un désert au niveau de paramédicaux, entre autres de kinésithérapeutes. Mais l'ensemble de cette maison va prendre en charge là des 3 axes et des axes qui prendront en charge complètement le problème d'une personne.
que ce soit dans le retour à domicile où tout le monde est impliqué. Le médecin, bien sûr, est impliqué, les infirmières sont impliquées, les kinés peuvent être demandés. Ça sera en réseau avec les pharmaciens, parce qu'on ne veut pas faire de ce centre, de cette maison, pardon, une maison fermée, mais une maison ouverte sur la ville, c'est-à-dire que même si vous avez une pharmacie extérieure, eh bien, il y aura des possibilités de partenariat entre le fonctionnement de cette maison et par exemple la pharmacie ou un autre service. J'ai pris celui-là à titre d'exemple. Et c'est ça qui en fait et l'originalité, mais aussi qui répond surtout aux besoins des personnes actuellement. Voilà. Et aussi qui permettra d'avoir une réponse à la population avec une amplitude horaire qui, on l'espère, pourra décharger eh bien, des allées et venues un petit peu non justifiées au niveau des urgences des hôpitaux environnants. Voilà, voilà. Comme l'a dit Mme Beaulieu, l'objectif est de répondre aussi à la population et aussi aux souhaits de fonctionnement des équipes médicales qui seront dans ce centre. C'est pour ça que, tel qu'il sera établi, il y aura des permanents, mais il y aura aussi la possibilité d'avoir des vacations. Voilà. Tout ça a déjà été écrit, présenté à l'ARS, et il va y avoir une réunion qui va être programmée entre l'ARS et justement cette équipe médicale, sachant que nous menons en parallèle le projet de santé et le projet de réaménagement des bâtiments. Voilà. Oui, monsieur Lévy. Oui, bon, je ne vais pas trop insister, mais la maison de santé, stricto sensus, entre paramédicaux et médecins, certes, elle est incontournable, mais au jour d'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des nouveaux acteurs. C'est les acteurs, donc les aidants, les familles. Oui. On a toujours demandé à être associés dans ce projet pour avoir des locaux qui permettent d'avoir une permanence, un accueil. Donc nous sommes présents dans la commission accessibilité. Et on fonctionne très bien puisqu'il y a des projets. Il y a des débats à l'espace Noiret, il y a des débats à l'espace Jacqueline Auriol, hein, tout récemment sur Alzheimer. Il y en aura d'autres sur les troubles psychiques, mais je pense que cette maison, on nous a dit qu'il y avait des mètres carrés suffisants pour pouvoir accueillir quelques permanences. Voilà, c'est là la question qui est posée. Je vais répondre très, à la fois rapidement, mais pas de façon brutale. Ce n'est pas le problème aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas de faire intervenir ces associations. C'est d'avoir à l'esprit qu'on aura la possibilité de le faire intervenir et qu'il puisse intervenir dans ce centre au moment où le centre s'ouvrira. C'est pour ça que j'ai précisé, à la suite de l'exposé de Françoise Beaulieu, c'est qu'il y aura des permanents et il y aura aussi des vacataires. Qui dit vacataire, ça veut dire qu'il y aura des surfaces qui seront disponibles pour les exemples que vous venez de citer. Mais effectivement, vous avez parlé des aidants, c'est un très très gros problème. Tout à fait. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose, je pense qu'on doit voter comme quoi nous avons pris acte. Si, on doit voter comme quoi nous avons pris acte. Donc, on ne va pas voter contre, on ne va pas s'abstenir. Je pense que qui vote comme quoi nous avons pris acte. Voilà. Merci. Donc, je propose de passer au point suivant qui sera présenté par Françoise. On va être un peu plus, ça va être un peu plus léger comme sujet, mais tout au moins aussi important, puisque les abeilles, c'est très important. C'est pas toi qui diras le contraire, Sophie, dans la situation de notre planète. Donc c'est une convention de partenariat avec un apiculteur. Françoise, je te passe la parole. Oui, merci. Effectivement, c'est un sujet plus léger, plus facile à présenter. Donc, nous avions déjà, pour l'historique, nous avons eu deux apiculteurs. Un premier apiculteur avec une convention qui nous a lâchés pour des problèmes personnels. Et le second est parti, effectivement, au moment du Covid. Il est parti, il a pris sa retraite, il a déménagé. Donc, nous avons eu la chance qu'un autre
entre apiculteurs amateurs passionnés et qui déjà de l'expérience sur Versailles frappent à la porte des clés sous bois. Et pourquoi ? Parce qu'ils travaillent sur les clés sous bois, donc ce qui va lui rendre effectivement la gestion des ruchers beaucoup plus facile. Donc, vous avez la convention devant les yeux. C'est une convention qui est tout à fait classique. Elle n'a pas d'originalité. Il prend en charge. Nous, on lui donne, bien sûr, au niveau du gymnase Gilardi, il aura tout l'espace végétalisé où il pourra poser ses ruchers. Il va en monter en puissance. En première année, il va en mettre 3, peut-être 4. Il va essayer de monter autant qu'il le pourra et que les essaims produiront du miel. Il sera donc vigilant à tout ça. On lui donne les conditions matérielles, mais c'est lui qui fournit, qui aura son propre matériel, qui gérera complètement les ruchers. Vous retrouverez aussi dans l'article 2, il lui est demandé une activité pédagogique. On l'avait demandé aussi aux autres apiculteurs avant lui. Il est tout à fait d'accord pour faire des interventions. Alors les interventions, on ne va pas les détailler ce soir parce qu'elles seront selon les besoins. Ça peut être direct sur la population, ça peut être auprès d'enfants, de centres de loisirs, d'écoles, selon les demandes. Il est tout à fait d'accord pour faire ces interventions pédagogiques. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à poser par rapport à la convention. Essayer de suivre le conseil que j'ai donné tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, s'il n'y a pas de questions, donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci pour cette unanimité. Donc, deux points qui sont très, 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 très proches, mais on va commencer par le premier pour un PUP entre la ville Sky et relatif au gros caillou, et un deuxième qui sera aussi ce même PUP, mais là relatif avec la société Atos, alors que la première est avec la société civile SCCV Les Clés. Je laisse Bertrand présenter ces deux points, sachant qu'on votera un par un. Oui, bonsoir. Chers collègues, le précédent conseil nous a permis de débattre sur justement le gros caillou et ce qui allait être fait à travers une OAP qui nous permettait d'aller encadrer encore plus le plan d'urbanisme qui donc permettait d'avoir des constructions qui représentent et qui cadrent le plus avec la destination de ce terrain privé qui est un écoquartier. Donc là, nous allons plutôt effectivement nous intéresser aux aménagements de ce terrain, puisque certains points avaient été émis lors de l'enquête publique, notamment le point essentiel de place de stationnement, de la mobilité. Et la ville s'est donc engagée à faire quelques travaux. Donc travaux qui sont listés ici, donc que ce soit la ville ou Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a pour près d'1 157 240 € de travaux qui prévoient donc la requalification de la rue du Gros Caillou de compétences communales, à savoir la chaussée, les accotements, le stationnement longitudinal. On avait déjà exprimé la nécessité de pouvoir revoir la piste cyclable et de pouvoir faire les places de parking notamment. La reprise d'une partie des réseaux de compétences communautaires, donc 50 ans d'Yvelines, à savoir l'éclairage public, la communication numérique, donc c'est la fibre, hein, principalement sous emprise publique pour un montant de 177 240 € hors taxe. Précédemment, la requalification de la rue du Gros Caillou était pour un montant de 500 000 € hors taxe. Et enfin, la réalisation d'une noue mutualisée. Je rappelle que une noue, c'est effectivement la possibilité de recueillir l'eau de pluie, de la stocker et effectivement d'avoir une action écologique en tout cas. Et cette réalisation de noue mutualisée, son aménagement piéton et paysager pour un montant de 480 000 € hors taxe. Donc voici
à quoi doit payer effectivement la commune d'Écclès-sous-Bois et l'intercommunalité Saint-Quentin-en-Yvelines. Lorsqu'il y a des opérations de cette ampleur, normalement, il y a une taxe d'aménagement qui est faite, qui permet effectivement de récupérer des sommes de la part du promoteur pour justement pouvoir mettre en place des équipements publics et financer des équipements publics. En termes de timing, nous avons souhaité faire différemment. Donc, on va procéder à travers un projet urbain partenarial qui revient au même schématiquement et qui va donc permettre d'avoir deux financements et qui vont permettre de financer 100% de l'investissement de la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines, à savoir 1 157 240 euros. Donc, la première des conventions que, chers collègues, je souhaite que vous votiez, c'est donc l'approbation d'une convention de projet urbain partenarial tripartite entre la ville, Saint-Quentin-en-Yvelines et la société ADI Promotion sur le secteur du Gros Caillou. Cette convention dit que des travaux répondant en partie aux besoins des futurs habitants de l'opération immobilière peuvent être pris en charge par l'opérateur. Il convient donc de signer cette convention de projet urbain partenarial avec l'opérateur ADI Promotion pour un montant de 544 758 euros hors taxes, répartis comme suit: 240 000 euros pour hors taxe pour la noue publique, 225 000 euros pour la rue du Gros Caillou, et enfin 79 758 euros hors taxe pour les réseaux sous emprise publique de la roue, de la rue pardon, du Gros Caillou. Voilà, chers collègues, je vous invite donc à signer cette convention et je me tiens prêt à répondre à vos questions et commentaires. Y a-t-il des questions ? C'est juste, Dominique Dupuis, c'est juste une question que j'ai oublié de poser hier. C'est le coût prévisionnel. Donc, imaginons que ça soit beaucoup plus important, le coût. Est-ce que ça sera réparti aussi sur les différentes... Oui, c'est une très bonne question. Le prix, effectivement, est encadré, est révisable. Et effectivement, la convention effectivement, tient compte d'une possible augmentation effectivement, des travaux, puisque nous allons techniquement encaisser avant de réaliser. Donc, nous allons encaisser l'argent avant de réaliser. Si on devait, les travaux devaient être coûter un petit peu plus cher, nous aurons une sorte de clause de revoyure. Ça ne s'exprime pas comme ça dans la convention, mais c'est présent dans la convention qui vous est proposée normalement ce soir. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, monsieur Lévy. Oui, alors il est indiqué la phrase suivante : la requalification de la rue du Gros Caillou de compétence communale, chaussée, accotement et stationnement le jeudi dénal pour un montant de 500 000 euros hors taxe. Je ne vois pas apparaître le mot piste cyclable. Mais ça en fait partie. Eh oui, mais il serait mieux de l'écrire que de laisser croire qu'on fait partie. Vous voyez ce que je veux dire, la nuance. Non, mais Bertrand va compléter, mais c'est le terme requalification. Hein. Voilà, Oui, on aurait pu détailler effectivement beaucoup plus. Là, ça reste une convention. Nous l'avons fait lors de la précédente conseil municipal dans lequel, sur l'AOP, nous avons eu ce débat et nous avons détaillé ce que nous souhaitions faire. Nous avons donc répondu à la question qui était de savoir si nous allions retoucher à la piste cyclable. La réponse a été positive. Donc, ça fait partie de la phrase qui correspond à cette requalification. Je complète pourquoi mon intervention, pour la bonne raison qu'il y avait un accord de principe lors du grand projet One Nation, Paris, hein, d'une piste cyclable. On l'a vu qu'en fait, on avait simplement mis sur la chaussée un cycle de couleur blanche et ça ne doit pas faire l'objet d'une piste cyclable séparés. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut dire il y a piste cyclable et piste cyclable. Il faut que les associations d'usagers, c'est ce qu'on a demandé quand il y a un aménagement de cette nature, soient dans la boucle, puisqu'il y a eu un engagement lors d'une rencontre avec le directeur des services techniques, je crois son prédécesseur, mais je pense que l'actuel doit assurer cette continuité, que c'est très important que les associations d'usagers soient... qualité d'experts, avec des guillemets, mais ils sont les plus compétents pour dire, voilà, quelle est la nature de la piste qu'il faut mettre en place pour éviter que la fameuse piste cyclable n'existe plus au niveau de One Nation, hein, elle a disparu, corps et âme, alors que c'était écrit, j'imagine, dans les textes. Là, nous ne sommes pas au niveau de One Nation, nous sommes au niveau du Gros Caillou, et vous avez la précision sur la page 2, justement, de cette piste cyclable.
Juste pour revenir sur One Nation, bien sûr, on parle donc de la route départementale de compétences du conseil départemental pour lequel il y aura peut-être éventuellement une requalification et d'intégration de la piste cyclable. Donc c'est vraiment deux choses qui sont différentes. D'ailleurs, cette piste cyclable, l'engagement, il y a eu un vote au niveau du conseil départemental sur la partie plaisir qui statue sur la présence d'une piste cyclable. Il y a un plan de vélo également développé par Saint-Quentin-en-Yvelines qui va faire en sorte que nous allons construire plus de 7 km supplémentaires de pistes cyclables. Donc toutes les informations sont disponibles. Vos représentants à Saint-Quentin-en-Yvelines pourraient éventuellement vous passer ces informations-là. Donc voilà, là on reste sur la rue du Gros Caillou. On en a parlé, on a répondu favorablement à la question. C'est présent dans la note. Alors après, quant à la nature de la chaussée, de la route, nous viendrons à ces travaux-là qui ne seront pas en place avant quelques années. Hein. Voilà, est-ce que Bertrand et moi-même avons répondu à votre question, Monsieur Lévy ? Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, je propose de mettre voix cette première délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci. Donc la deuxième délibération. Oui, merci, chers collègues. Je prendrai moins de temps puisqu'elle est identique. Simplement, elle ne concerne pas le promoteur ADI, mais elle concerne la société Atos et la SAS foncière Magellan, puisqu'il est prévu qu'une construction qui permettrait de pérenniser d'ailleurs le site d'Atos soit mise en place. Donc, nous anticipons cette évolution, je dirais, de d'Atos avec un immeuble de bureaux. Bref. Nous rentrerons dans les détails le jour venu, quand ce sera en tout cas clair. Mais nous anticipons effectivement et ils sont d'accord pour pouvoir participer également à ce PUP, ce projet urbain partenarial. Je ne reviens pas sur les chiffres parce que les chiffres sont les mêmes. Simplement, la société Atos et SAS Foncière Magellan s'engage donc sur cette convention à hauteur de 372 482 euros hors taxes qui se répartit comme suit: 275 000 euros hors taxes pour la rue du Gros Caillou et 97 482 euros hors taxes pour les réseaux sous emprise publique. La NOU n'est pas présente puisque la NOU n'est pas du côté d'Atos, elle est vraiment du côté du Gros Caillou. Voilà pourquoi elle n'est pas présente. Pour terminer, quand vous calculez la précédente délibération et celle-ci, vous n'arrivez pas à 1 157 000 euros hors taxe. Pourtant, je vous ai dit que 100% des dépenses étaient financées. La différence étant la TVA que la ville récupérera. Et voilà, donc le projet sera financé à 100% par ces deux sociétés civiles immobilières. Et pour compléter ce qu'a dit Bertrand à propos de la pérennité de la société Atos, effectivement, la société Magellan qui porte ce projet a déposé un permis de construire pour ces bâtiments. Donc public, donc consultable. Je ne savais pas que. Voilà, je ne savais pas s'il il l'avait déposé. Il est en instruction, oui. Donc en instruction, oui. Non, pas encore disponible. Voilà. Mais il est en instruction. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Donc je propose de mettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour. Merci. Donc, je propose à présent de passer au point suivant de l'ordre du jour, qui est Catherine qui vient nous présenter une convention constitutive de groupement de commandes. Alors, il s'agit ici de vous proposer donc le renouvellement de la convention de groupement de commandes avec le CCAS. L'objectif du groupement de commandes, c'est bien évidemment de faire des économies d'échelle, puisqu'on va regrouper les besoins du CCAS et les besoins de la commune, de mutualiser les procédures, et à savoir, c'est la commune qui se charge de mener toutes les opérations pour la passation des marchés. C'est donc elle qui coordonne tous les marchés publics qui seront passés dans ce cadre. Et ça permet au CCAS de bénéficier des tarifs de marché public sans avoir de son côté à passer de procédures de marché. Il vous est donc proposé d'approuver le renouvellement de cette convention à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de 4 ans et donc d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci Catherine. Y a-t-il des questions ? Non, s'il n'y a pas de questions, donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci pour cette unanimité.
Le point suivant, je le présenterai puisqu'il s'agit d'une délibération relative au personnel. Il vous est proposé de modifier la prestation d'action sociale au titre d'une distribution de chèques CADOC qui était préalablement à hauteur de 137,20 € pour tout départ en retraite et de le passer à 150 €. Il est précisé que, bien entendu, ce montant étant inférieur aux 171 €, ceci est exempt de toute cotisation. Voilà. Y a-t-il des questions ? Non, donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci pour cette unanimité. Enfin, on ne peut pas avoir un conseil sans une modification du tableau des effectifs. Donc, cette modification de tableau des effectifs, qui, je le rappelle, concerne les créations de postes ou les créations de grades. Ce qui vous est proposé, là, c'est la création de deux grades, une dans la filière médico-sociale et une autre dans la filière administrative. Voilà. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de question, je propose de mettre aux voix qui est contre, qui est pour et qui... Non, qui est, pardon, qui s'abstient et qui est pour. Merci. Voilà. Point suivant, deux points qui restent et qui seront présentés tous les deux par Christiane, puisqu'ils ont trait au scolaire. Le premier point concerne la convention de plan de déploiement numérique scolaire. Voilà, Christiane, je te passe la parole. Bonsoir. Donc, nous avons déjà proposé plusieurs conversions concernant le plan de déploiement numérique scolaire. Donc, plusieurs projets ont vu le jour au sein des écoles. Installation de vidéoprojecteurs numériques, mise à disposition de tablettes équipées de logiciels éducatifs. Il est donc nécessaire de continuer à bénéficier de la maintenance de ces équipements. Il reste également plusieurs projets éducatifs à finaliser, les projets liés à la brique 6, projets permettant aux enseignants de mettre en place et de financer les projets de classe. Il est donc nécessaire de renouveler l'adhésion à la centrale d'achat de Seine et Yvelines Numérique pour le segment numérique éducatif, soit une somme de 1 000 € hors taxe pour une durée de 3 ans. Comprenant la maintenance informatique des équipements, ordinateurs, systèmes de vidéoprojection, réseaux informatiques fixes ou Wi-Fi, et permettre la réalisation des projets individualisés des enseignants dans la brique 6. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention sur le plan du déploiement numérique. Oui, c'est Monsieur Lévy. C'est plus pour alimenter le débat, plus général. En effet, le numérique entre dans toutes nos collectivités, chez nous, dans le transport. Nous sommes tous équipés. Donc, nous sommes tous des numéricus omnibus ou je ne sais quoi. Néanmoins, les enfants sont quand même... Il y a eu des alertes en disant, attention, ne mettons pas ces outils moins de 3 ans. Mettons pas des écrans, ça perturbe le développement cognitif et autres. Il serait bien de savoir, est-ce qu'il y a eu des études, donc déjà au niveau des établissements scolaires, sur l'impact de l'entrée du numérique, avec bien sûr l'écoute des enseignants, ils sont les mieux placés, pour dire la durée donc, de l'utilisation, puisque les jeunes les utilisent chez eux. Ils viennent à l'école, bon, ils ne sont pas devant leur micro-ordinateur à l'école, ils ont peut-être des écrans, de temps en temps, on les utilise. Mais néanmoins, est-ce qu'il y a eu une étude préventive pour voir l'impact pour le développement harmonieux de nos enfants par rapport à cette entrée de plus en plus massive du numérique dans la scolarisation de nos enfants ? Merci. Alors, je pense que l'Éducation nationale a fait ce travail-là. Voilà. Puisque c'est un partenariat, avant tout Éducation nationale avec Sky et la municipalité. Donc l'utilisation est dans les classes
est avec un objectif d'apprentissage, je dirais, essentiellement, géré par la maîtresse, hein, tout à fait orienté pour, je dirais, une évolution des apprentissages pédagogiques, et puis pour une aide aussi aux enfants aux difficultés. Donc, je pense que ce projet est réfléchi et est utilisé avec réflexion dans les classes, dans les différentes écoles. Juste pour compléter, mais je vais te laisser le faire juste après, je voulais juste mentionner que sur la délibération précédente, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fait un NPPV, donc ne participe pas au vote. C'est important puisque en tant que président de Seine-et-Vienne Numérique qui intervient dans la convention, je ne peux pas voter. Donc je n'ai pas participé au vote sur la convention précédente. Je vais te laisser parler, puis après je rajoutais peut-être deux points sur l'étude qui a été faite et le retour de l'éducation nationale effectivement sur l'usage des tablettes. Mais je vais laisser ma collègue intervenir. Oui, alors en fait dans les écoles, on a à disposition les tablettes pour les enfants. Les enseignants les utilisent à bon escient, comme le disait Madame Bontemps. Donc, pour des activités très ponctuelles, et pas toute la journée, et pas tous les jours. Voilà, ce sont effectivement des compléments, notamment pour les enfants qui sont en difficulté, pour qu'ils puissent s'entraîner en lecture, par exemple, avec des logiciels éducatifs spécialisés. Voilà, ça donne un petit peu plus de souplesse dans les apprentissages. Mais en aucun cas, la tablette ne remplace le cahier. Bien évidemment. Ces apprentissages sont essentiellement, je dirais, tournés vers le développement de la lecture, hein, et vers les exercices mathématiques et la grammaire. Et comme vous l'avez dit, monsieur Lévy, le numérique est nécessaire. Il faut que tous les enfants puissent avoir accès au numérique. Et au travers de ces tablettes qui sont dans les écoles, c'est aussi le moyen de rendre cette accessibilité à tous les enfants. Par contre, où je partage votre avis, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait que le numérique. Malgré tout, je suis vraiment très, très pro-numérique. Mais c'est aussi pour ça que je voudrais rappeler une opération qui a été faite ce week-end à Cultura, à laquelle assistait Martine en tant qu'adjointe à la culture. Et justement, pour la promotion, on s'était associé avec Cultura pour la promotion des livres à 1 euro pour la jeunesse. Voilà. Oui, juste donc préciser deux choses. Premièrement, il s'agit de mallettes scolaires. Mes collègues l'ont bien dit. En aucun cas, il s'agit de donner une tablette toute la journée à l'élève. Le gros intérêt, que d'abord c'est un projet qui est porté par l'éducation nationale et l'État, donc j'imagine qu'ils ont des associations, des retours d'expérience et qu'ils ont validé ceci. Ce qui s'est passé, alors j'ai pas pour les primaires, enfin en tout cas les CM1, CM2, pour tout ce qui était 6e, 5e sur l'expérimentation qui a eu lieu pendant 3 ans, piloté par le conseil départemental, il y a eu des résultats positifs, notamment dans les secteurs qui sont REP et REP+, donc plutôt défavorisés, dans lesquels il y a eu une progression du niveau en mathématiques et en français d'un niveau. Donc voici ces retours-là. Ça s'explique par principalement le fait que aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les classes sont assez chargées, que les cas sont de plus en plus difficiles à gérer en classe. Et donc l'attention de l'instituteur est pas toujours, il fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas toujours aider comme il faut tous les élèves. Donc il y a une attention très particulière à apporter du temps aux élèves en grande difficulté, ce qui est très bien. Les élèves peut-être un peu moins en difficulté peuvent des fois avoir un peu moins plus de problèmes à progresser rapidement et inversement. Ces tablettes sont évolutives, c'est-à-dire qu'elles permettent, notamment sur un cours de maths, d'avoir tous les différents niveaux et de s'adapter au niveau de l'élève. Donc pendant que le professeur, l'instituteur est attaché à résoudre du cas individuel, les autres élèves peuvent progresser à leur rythme. Ça reste très limité, en termes de temps, et principalement orienté sur le français, sur les mathématiques. Voilà ce que je voulais apporter. Et il y a bien sûr des retours qui sont faits là-dessus. Les parents, je le rappelle, ont un devoir éducatif important. Il n'y a pas qu'en classe, aussi dans l'éducation. La parentalité, c'est important. Et enfin, le gros avantage, c'est que ça permet à l'enfant qui peut être confronté à la tablette facile, jeune, de voir que la tablette est aussi faite pour apprendre, s'éduquer et pas que pour jouer.
Voilà, donc c'est un usage éducatif dans lequel il est mis. Voilà. Merci pour ces compléments. Voilà, donc c'est surtout ce que je voulais dire, c'est que c'est à usage éducatif, hein, par le choix des exercices, par la progression des exercices, et tout ça en fonction des programmes, je dirais, des différentes classes. Oui, vas-y. Petite précision aussi, il est important que les enfants de primaire s'exercent aussi sur l'ordinateur et sur la tablette, puisque les évaluations qui sont passées en sixième se font exclusivement sur tablette. Donc voilà, c'est important qu'ils aient aussi manipulé dans le primaire cet outil pour pouvoir passer correctement les évaluations de sixième. Merci Elisabeth. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre au vote. Bertrand ne prendra pas part au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Donc merci pour cette unanimité. Et enfin, on va terminer par toujours Christiane avec un très très beau projet. Donc qui va vous présenter les trois projets qui ont été présentés par le conseil municipal des enfants dans cette salle le mois dernier. Voilà, je te laisse la parole, Christiane. Merci. Donc effectivement, le mercredi 18 janvier, les enfants ont participé à leur premier conseil municipal, donc qui s'est très bien passé. Ils ont découvert, je dirais, notre milieu, celui que nous vivons aujourd'hui, hein, et ils ont découvert les règles aussi qui existaient, et je dirais, pour participer à ce conseil. Hein. Donc les trois projets qui ont été, il y a trois commissions donc, qui ont été établies. Et les trois projets, je dirais, tournent autour soit de beaucoup du social, du relationnel. Les enfants ont été, je dirais, ont évoqué dès les premières réunions entre eux pour monter ce conseil municipal les difficultés. Ils ont su exprimer leur mal-être, les difficultés qu'ils avaient rencontrées pendant le Covid. Ils se sont sentis isolés, coupés de leur rythme, je dirais, de vie régulier. Plus d'école, plus de centres de loisirs, plus de copains, une vie familiale effectivement très confinée. Donc il a été difficile de leur faire oublier qu'il y avait peut-être maintenant d'autres choses à prendre en compte. Non, ils ont voulu rester sur cet aspect, je dirais, d'expression de leurs difficultés rencontrées et de celles rencontrées par leurs camarades. Donc, les projets de la commission 1 ont été de recréer du lien entre les enfants d'une même tranche d'âge en organisant des jeux qu'ils ont appelés mini-jeux olympiques, hein, pour les enfants des centres de loisirs élémentaires. C'est-à-dire qu'ils veulent faire plusieurs journées en proposant des jeux aux enfants qui viennent le mercredi et ainsi créer des liens entre tous les enfants, je dirais, des centres de loisirs de la commune. La commission numéro 2, c'est contribuer à rendre le monde meilleur en apportant du soutien aux personnes en difficulté. Donc vous voyez des objectifs tournés vers les difficultés sociales. Et la commission 3, renforcer la transmission intergénérationnelle au sein de la commune en partageant du temps avec les seniors de l'espace Auriol. Ils y sont allés mercredi à rencontrer les personnes âgées. Madame Boussinet était là, je suis allée avec eux aussi. Et ils ont participé à des activités gérées par les personnes âgées d'Auriol, c'est-à-dire qu'ils ont fait du tricot, du crochet, ils ont fait du bricolage, et tout ça chapeauté par les personnes âgées. Hein. La relation était, je dirais, un peu émouvante, hein, et c'était très affectif. Hein. Donc, ça a été apprécié par les personnes d'Auriol, qui renouvellent l'expérience, je crois, le 15 mars. Ils y retourneront faire du tricot. On a eu des petits garçons, hein,
qui ont participé à l'apprentissage du tricot et qui sont d'ailleurs, je dois le reconnaître, peut-être même mieux débrouillés que les filles. Oui, on est plus de garçons que de filles. Voilà, un bon moment. Et je pense que cette transmission, effectivement, va être réussie. Voilà, donc un budget a été, je dirais, accordé, proposé, va être proposé aux trois commissions. Ils vont avoir 1 000 euros pour aboutir à la finalité de leur projet. Chaque commission aura 1 000 euros. Voilà, donc je vous propose d'accepter, je dirais, leurs idées, leurs projets. Je n'ose pas imaginer que vous n'acceptiez pas ces projets. Voilà. Mais à titre humoristique, ce que je peux vous dire, c'est que quand ils ont présenté leurs trois projets, ils n'avaient pas forcément compris le fonctionnement de chacune des présentations. Et ils ne votaient pas forcément pour le projet de l'autre équipe, parce qu'ils pensaient que s'ils votaient pour le projet de l'autre équipe, leur projet ne serait pas approuvé. Ils n'avaient pas compris que c'était en commun, donc on leur a expliqué. Et puis là, il y a eu quasiment des unanimités. Mais c'était, comme tu l'as dit, Christiane, c'était un très beau moment de partage et de citoyenneté avec ces jeunes. Et c'est vrai qu'ils ont été très rassurés quand ils ont su que les trois commissions auraient, de toute façon, ils n'étaient pas en compétition et que leurs trois projets, je dirais, seraient acceptés. Voilà, oui, Monsieur Lévy. On ne peut que féliciter ces enfants qui ont de l'innovation parce qu'en fait, les trois sont à intégrer. Alors, le premier projet, il est intéressant parce qu'en fait, il parle des gilets. Jeux olympiques, donc toute la philosophie des Jeux olympiques, Coubertin, je pense que c'est une bonne pédagogie, l'esprit par le sport. Seulement, il y a un petit truc, c'est qu'il est limité en fait simplement aux jeunes qui fréquentent les centres de loisirs le mercredi, et ceux qui ne le fréquentent pas seraient assidueusement exclus. Il y aurait possibilité peut-être de reprendre ce projet, même l'amplifier, au niveau du stade Rousseau, c'est une hypothèse, de faire des Jeux olympiques pour toutes les écoles qui défileraient par classe, comme ça, et avec leur couleur avec l'hymne, y compris organiser, chaque classe organise aussi un champ d'accueil, parce que moi je l'ai vécu jeune à Dijon, dans le vélodrome, et c'était vraiment, pour un enfant que j'étais, c'était formidable d'être au même rang que des adultes. Et voilà, ce projet, je pense qu'il a la capacité d'aller au-delà de 2024, d'être repris, pourquoi pas école par école et même groupé sur l'ensemble des écoles. Merci. Alors, ce projet aura lieu en fait en mai-juin. La finalité aura lieu en mai-juin 2023. Hein? Donc, les enfants participeront, je dirais, à la réalisation de ce projet à cette période. Alors, vous savez que le conseil municipal des enfants, nous allons changer, je dirais, là ce sont les CM1, CM2, nous allons au mois de juin, refaire des élections, puisque les CM2 vont partir en 6e, il va falloir renouveler une partie du groupe, et donc nous allons faire voter les enfants de CE2 pour être opérationnels en septembre, je dirais, 2023. Donc après, la continuité de ce projet, tout dépendra, je dirais, des désirs des enfants et comment, je dirais, peut-être le faire évoluer. Alors déjà, faire ce projet-là avec tous les enfants des centres de loisirs, vous savez, c'est déjà une grosse réalisation. Donc oui, on va voir comment on pourra peut-être le transformer en événement de la ville. Oui, après, je ne peux être que favorable à ce que vous décrivez sur l'ambiance qu'il y a dans les Jeux Olympiques, mais comme vous l'avez aussi rappelé, et on l'a rappelé ensemble en début de rapport d'orientation budgétaire, nous sommes dans une situation où il faut bien cibler toutes les activités et les coûts qui sont associés à ces activités. Et malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes non pas à créer de nouvelles activités, mais à essayer de conserver les anciennes au niveau qualitatif qu'elles avaient. Mais sinon, l'esprit olympique dans des groupes d'enfants, pour y avoir participé également, effectivement, c'est très, très envoûtant. Voilà. Mais là,
c'est circoncis au centre de loisirs, et déjà c'est une organisation suffisamment importante pour ce projet-là. Voilà. Bon, nous allons solennellement mettre aux voix pour les rassurer. Ils craignaient pas trop quand même. On leur a dit avec Christiane que, vu la qualité de leur projet et comme il y avait les budgets, ça serait approuvé. Mais solennellement, donc, nous mettons aux voix qui est contre, qui s'abstient et qui est pour l'approbation de ces trois projets. Merci, merci pour eux. Avant de clore ce conseil, donc il y avait eu trois questions concernant des décisions tout à l'heure. La première où je vous avais répondu, Madame Goyer, que je connaissais la réponse, mais j'attendais de la compléter un peu plus, c'est effectivement un cabinet qui est pris pour optimiser toutes les recettes liées à la TLPE, c'est-à-dire la taxe locale publique extérieure, où on va vérifier que toutes les déclarations, y compris les surfaces des déclarations qui sont faites, sont cohérentes. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie qui va en tant qu'incentive pour la société, et le reste est à charge de la ville, et toutes les régularisations sur l'année suivante, ce ne sont pas à charge, sont en recettes supplémentaires pour la ville, et toutes les recettes supplémentaires seront également pour la ville les années suivantes. Pour ce qui concerne le deuxième point, je vous avais répondu qu'il s'agissait effectivement d'un passage de lame de déneigement pour au cas où il y aurait un problème d'enneigement sur la commune. Sachez que ce coût, moi quand je l'ai vu, je l'ai trouvé effectivement très très élevé, et on va opter vraisemblablement cette année pour une autre solution qui est un achat de matériel qui sera une lame qui pourra être mise sur un matériel déjà existant au niveau de la commune et qui dont l'investissement sera amorti très très vite. Et pour la dernière, je pense que j'y avais déjà répondu. Voilà. Oui. Donc, pour la déneigeuse, en fait... C'est une location. Oui, et les axes routiers, en fait, ce n'est pas 51 ans. Non, il y a deux. Alors, vous avez deux parties. Vous avez, avec Saint-Quentin, vous avez des voiries d'intérêt communal et des voiries d'intérêt intercommunal. Tout ce qui est intercommunal, c'est Saint-Quentin, c'est pris en compte dans le cadre de la délégation à Saint-Quentin. Pour le reste, c'est la ville. Et comme le dit Bertrand, le CD11, ce n'est pas la ville, c'est le département. Voilà. Donc, on a les trois acteurs. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je propose de déclarer ce conseil terminé. Je vois qu'il y a une personne fidèle qui est présente ce soir. Donc si elle a une question, ben c'est avec plaisir qu'on essayera d'y répondre. Voilà. Vous n'êtes pas obligé.